Basse Alternative avec Brian et Sandy vous présente. Chaque semaine, des artistes et musiciens locaux. Les événements à venir. On se retrouve un vendredi sur deux. De 20h à 21h. En direct. En direct. Sur Radio G 101.5. De retour dans nos studios dans l'émission Basse Alternative. Ce soir, on est en compagnie donc de Mimi Rose. On va faire écouter à nos auditeurs ce que c'est. Là, je vais lancer un son qui s'appelle Saumur. Tu peux peut-être me dire un peu, me décrire un peu cette musique. Alors, c'est les délires entre potes sur les bords de la Loire. Ça parle de vin, de spécialité aussi. Et c'est un morceau qui est déjà sorti sur YouTube, mais qui va sortir dans le prochain album en 2020. J'ai pas la date exactement. Ok, plutôt début ou fin ? Bah après le pressage. Milieu. Comme c'est l'autoproduction, je pense que ça va être avant juin, j'espère. D'accord, on espère aussi. On espère aussi. Allez, on écoute ça, le son s'appelle Saumur, à tout de suite sur Radio G. Sur les bords de la Loire, à la tombée du soir, on jouait de la guitare pour faire swinguer les canards et fondu dans le noir, une petite ville endormie. C'est Saumur qu'on aperçoit au loin, c'est Saumur, la cité des Ligériens. On dirait un mirage, un château sur la plage. On a joué toute la nuit et petit à petit, dans le bras de la Loire, on s'est endormi, la tête dans les étoiles au son des clapetis. C'est Saumur qu'on aperçoit au loin, c'est Saumur, la cité des Ligériens. On dirait un mirage, un château sur la plage. Les gabarres au courant passaient, repassaient, transportaient en passant tout un tas de gens, des bouteilles de crémant, des carreaux de turcan. C'est Saumur qu'on aperçoit au loin, c'est Saumur, la cité des Ligériens. Les galipettes dans les troglos avec Madame de Montsoreau, c'est chaud. Avec du chocolat qui va nous embrasser ça. Un pyromane d'Angers, un copain allumé, avec un peu de tequila. Oh là là, c'est Saumur que l'on boit ce soir. C'est Saumur au courant de Loire, essoufflé dans le ballon, les montgolfières s'en vont. Est-ce qu'on est bien sur cette plage à compter les adages, les poissons sous l'eau, buvaient nos solos. Mais qui est sous l'eau? C'est le coteau du Léon qui nous fait tourner en rond. C'est Saumur que l'on boit ce soir, c'est Saumur au courant de Loire. Essoufflé dans le ballon, les montgolfières s'en vont. C'est Saumur, c'est Saumur, c'est Saumur, c'est Saumur, Saumur. Hey, alors ça c'était Saumur, donc de Mimi Rose et de son groupe, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais il y a un groupe aussi. Hein, c'est Vince qui l'a composé le morceau.
Super. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est tellement humble. Oui, c'est moi. Alors du coup, donc pour les éditeurs qui ne vous connaissent pas forcément, Mimi Rose, c'est qui ? Alors à la base, Mimi Rose, c'était la vendeuse de roses dans les rues d'Angers. Je vendais des roses et tout le monde m'appelait Mimi Rose. Et du coup, après, j'ai eu plusieurs groupes, des groupes de world, des groupes de rock. Et à chaque fois que les gens venaient me voir, ils me disaient, bah, on va voir Mimi Rose. Et si je mettais un nom de groupe, ils ne venaient pas. Donc, ils ont décidé de m'appeler Mimi Rose, donc j'ai gardé ce nom. Voilà. Depuis combien de temps, du coup ? Alors, au moins 20 ans. Ouais, c'est quand même une belle histoire. Ah ouais. Et donc, du coup, toi, Vince ? Bah moi, je suis arrivé dans le projet il y a 6 ans à peu près maintenant. Bah comme beaucoup de fois en musique, c'est au fil des rencontres, on rencontre les bonnes personnes et on continue avec, quoi. Et là, c'était le cas. Que dire de plus, à part que c'est une belle aventure où on peut composer, on travaille beaucoup et on tourne beaucoup. Donc ça, c'est ça faut le dire. Parce que vous faites des clips, pas mal de clips aussi sur YouTube, donc vous tournez... Vous tournez aussi des vidéos, vous travaillez, il y a plein de travail, vous ne faites pas que la musique au final. Non, puis on tourne partout dans toute la France, donc là on traverse la France des fois, c'était entre la Suisse et Cancale cette année, c'est un peu la course, on court partout. Des belles rencontres aussi déjà. Ouais, c'est surtout ouais. ça fait des bons souvenirs. Et donc vous venez d'Angers ? Oui. Vous êtes originaire d'Angers. Oui. Tous les gens du groupe, pour le moment, sauf Nico, le petit dernier arrivé, la contrebasse. Ouais. Du coup, il y a qui dans votre groupe ? Alors, pour le moment, il y a toujours Papa Huggy, la guitare. Et qui a la guitare, qui a composé aussi dans les rues d'Angers, c'est lui qui l'a composé. Il y a Vince, et il y a Nico, et Dominique et Seb au son, un petit peu de lumière aussi, ça dépend. La technique. Voilà, technique. Donc pour en parler. Un bon groupe. Ouais, il y a du monde. Hein. Ça paraît pas comme ça parce que quand on écoute, on se rend pas compte du travail que ça implique. Et c'est bien d'en parler, c'est cool. Carrément. Et du coup, comment définiriez-vous votre musique ? Parce que moi, je sais que c'est un peu Jamie Swing, un peu rock. Mais... On essaye de marier plusieurs influences à chaque fois, mais il y en a toujours une qui domine dans le morceau, ça c'est sûr. Et nous, on aime bien le swing, tout ce qui est jazz. Ouais, le rythme swing surtout. On n'a jamais prétendu être un groupe de jazz vraiment, mais on aime bien ramener les couleurs jazz dans certains morceaux. Après, on aime bien la couleur world aussi. Il y a un ou deux reggae qui se traînent par là. Après, c'est de la chanson française vraiment, moi je trouve. Et derrière, il y a toute une ambiance qui peut se créer selon notre humeur. Oui. Puis aussi, suivant les paroles, suivant l'histoire qu'on raconte, on va ambiancer, comme on dit. Oui. Et c'est ce qu'on attend, d'ailleurs. là, je vous propose d'écouter un autre son de vous, L'amour panette. Une petite anecdote sur ce morceau. Bah ça, c'est pas moi. j'ai passé des longs moments sur les sites internet à essayer de trouver l'amour. Voilà. Donc, la chanson parle de ça, du coup. Mais je n'ai pas trouvé sur les sites internet. Faut essayer. Oui, oui. Le technicien Dominique, il l'a trouvé et elle est adorable. Donc, un gros bisou à Sandrine si elle nous écoute. Donc, ça peut marcher. Ça peut marcher. Moi, j'ai eu pas mal de rencontres bizarres, très bizarres. Bon, du coup, l'amour pas net, quoi. on va écouter ça. À tout de suite sur Radio G. Badou, badou. Le grand amour sur Internet. Badou, badou. Pourquoi ne pas essayer ? Badou, badou. Venez tenter votre chance. Badou, badou. C'est un truc très tendance. Sur la toile tout en sortant, je me baladais en sifflotant. J'ai trouvé un profil relou, bel en pointu le loup-garou. Il voulait me croquer tout debout. Ah. Oh. Le net c'est vraiment Disneyland. On trouve Mickey et toute la bande. Vraiment dingue, de petits kékés, le magicien. Hey, son tour on le connaît. Baguette, tu disparais.
L'amour banane, j'en ai marre et l'oseur. Moi je veux un type correct. Choisis bien ton blogueur. Je vois que moi on serait pas nanana. Aïe aïe aïe, je suis accro. J'ai déjà 4 en 4. Je vais en mettre un au placard. Pervers Pépé m'a bombardé. Coucou la voilà, direct le net. Il y a vraiment quoi être choqué. Il était en pli comme une arbalète. Le petit oiseau tout déplumé. Ouais 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 ouais. J'ai déjà fait un agriculteur, tu connais. L'amour dans le pré, viens la chevrette, trouver bonheur, c'était lui. À la télé, mon amour vache, hein, trop fait pour moi. L'amour banane, j'en ai marre des losers. Moi je veux un petit porte, choisis bien ton blogueur. L'amour pas net, j'en ai marre des losers. Moi je veux un type correct. Choisis bien ton blogueur. Je recommencerai pas, nanana. Aïe aïe aïe, je suis accro. J'ai déjà 50 rancards. Maintenant, il est trop tard. Il y a un type vraiment bizarre qui veut faire des trucs avec des chèvres. Rendez-vous dans un vieux manoir. On va voir Cocotte, si t'as de la veine. C'est Halloween ce soir. Oh le malade. On y rencontre même des stars. J'ai discuté avec Zida. Elie, c'est mou, c'est pas mon type, hein. Vous n'allez pas y croire les filles. J'ai rendez-vous avec Brad Pitt. C'était pas lui. L'amour banane, j'en ai marre des losers. Moi je veux un type correct. Choisis bien ton blogueur. Je recommencerai pas, nanana. Aïe aïe aïe, je suis accro. J'ai déjà 100 rancards. Maintenant, il est trop tard. Des demandes de mariage arrivent de toute l'Afrique. De retour dans le studio de Radio G pour l'émission Basse Alternative, toujours en compagnie donc, de Mémé Rose et de Vince, hein, qui est présent, son guitariste. Voilà. Merci Sandy pour ce partage. Donc du coup, Mémé Rose, pour les auditeurs qui nous rejoignent à l'instant, là, peux-tu nous dire ce que c'est ta musique et qui tu es toi, Mémé Rose? Alors la musique, moi je dirais c'est surtout des guitares et une contrebasse. Moi j'adore les guitares, donc il y a toujours des solos partout. Autrement, les textes qui parlent beaucoup de l'argent. Du coup oui, il a mal au doigt, il a des ampoules. Là, te force à bosser. Tout le temps, ah, ouais, mais tout le temps. J'arrête pas. J'adore. des solos. Allez, on refait le solo. Et autrement, du texte, de l'argent. Mais j'aime bien l'humour, rajouter des petites touches d'humour. Oui, on a pu entendre ça. Même dans les expressions, comme les galipettes de Saumur. Là. À Saumur, on fait des galipettes. Et et je crois qu'on la passe, cette musique, non? Oui, tout à l'heure. Là. Oui. Elle est passée tout à l'heure. Ouais. Elle est passée, oui. Oui, et puis...
souffler dans le ballon, les montgolfières s'en vont. C'est un jeu de mots entre le vin et, et les Côtes du Léon et les Saumurois. Ce qu'il y a de bien avec Pimis, c'est qu'il y a des chansons où on fait de la culture locale, en fait. elle est locale. C'est quoi, ça c'est quoi les galipettes? Pour les oreilles Oui, voilà. J'aime bien tout ce qui est drôle. Ou bah, comme le tricouillard, par exemple, personne ne connaissait. Il n'y a pas beaucoup d'angevins qui connaissent le tricouillard. Mais je ne connais pas. Ben oui. C'est vrai. Et ben, il faut aller voir à la maison d'Adam les gargouilles. Oui. Et il y a une gargouille particulière. Alors, faut pas être trop choqué, hein, par contre. Mais... On ira voir alors. Ouais le père vrai. La tricouille. Voilà. Mais je sais D'accord. même pas s'il sait où est-ce qu'elle est, la maison d'Adam. Tu sais où elle est? Non. J'en étais sûr. Derrière la cathédrale. Juste... je suis pas d'Angers, moi, natif d'Angers. Et le château? Ah oui, justement, je vois où il est. Il y a un château, un joli château. Il est assez gros, c'est bon. Je l'ai vu. J'y ai passé devant deux fois. Non, peut-être plus que ça quand même. du coup, c'est pas mal tout ça. Donc, du coup, il y a d'autres musiciens qui vous accompagnent. Tu nous as parlé d'un qui est Vince, qui est guitariste, mais il y a qui d'autre? Il y a Huggy. Alors Guy, bah lui aussi qui est guitariste, alors lui il nous met plein de soleil dans ses solos parce qu'il est d'origine malgache. Alors lui il nous fait une pompe malgache et pas une pompe manouche, attention. C'est, il a un style vraiment à lui, c'est Guy, voilà, c'est Guy style. Et autrement, bah, plein d'énergie, des sourires, voilà, ça c'est Guy. Ok, d'autres musiciens? Tu peux parler de Nico, hein? Bah il y a Nico, le nouvel arrivant en fait, qui est... Ça fait quelques semaines maintenant qu'il travaille avec nous, le contrebassiste, qui nous vient du côté de la Mayenne, je crois. Sablé, il est entre Laval ouais, et Sablé. Voilà, je ne connais pas très bien ce coin-là, donc j'ai oublié le nom. Et qui joue très bien d'ailleurs, qui intègre bien le projet. Et, ça swing. Et qui a intérêt à être prêt pour demain d'ailleurs. Est-ce qu'il n'était pas prêt? Si, non, ça se passe très bien. C'est une petite blague. Parce que demain, c'est le premier concert avec Nico. Dimanche. Oui, dimanche. Mais demain, on y va parce qu'il y a Daniel Givon, il y a plein de monde, super programmation. Ah oui, c'est Jazz en Savenay. Si oui, on jazzait. Ça, oui. Jazz on va si on jazzait. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Ouais. Carrément, on fera la petite promo comme ça. C'est ça. Et donc, une petite histoire à nous raconter sur le groupe, d'un concert ou d'un événement que vous avez fait. Petite anecdote marrante. Oh bah, il y en a pas de trucs trop. Fois, il y en a plutôt une qui est pas mal, j'ai envie de dire. Mais bah moi, c'est Mimi qui me fait rire bien souvent parce qu'en fait, elle a des petites, comment dire, des particularités de langage des fois qui sont assez comiques, qui font rire tout le monde. Le petit côté ingénu, un peu connu pour ça aussi. Donc ça, c'est. J'ai pas d'exemple qui m'arrive tout de suite. Heureusement d'ailleurs. Bah, moi, j'en ai un, mais dans ce que tu dis. C'est bah en fait, des fois, je parle, je réfléchis pas spécialement tout de suite. Et une fois, on jouait, il y avait une fanfare et il y avait un monsieur qui avait un hélicon. Et je voulais faire un bœuf avec eux et j'ai dit au monsieur, mais viens toi avec ton gros instrument, mais viens jouer. Là, la salle mord de rire, voilà. Ça, c'est moi. Sans filtre. Voilà, c'est ça, vraiment. Exactement. Et du coup, vous avez des projets là en perspective, donc il y a un autre album qui va sortir. Ouais. Donc, vous prévoyez pour 2020? Peut-être des petits clips avec il y a des et autour des morceaux qui vont sortir et trois nouveaux morceaux. Ouais, il y a de la compo sur le feu, on va dire. Ouais, c'est cool. Ouais, il y a de la compo qui tous arrive. Tous les ampoules au doigt. Quatre nouveaux morceaux. Ouais, enfin moi j'en ai plein, moi si tu veux. Là, il y en a quatre un peu sur l'actualité, sur les migrants. Il y en a un encore sur l'écologie, parce que ça me touche énormément. Je vais aux manifs à chaque fois. Et puis, un morceau qui s'appelle Ligeria, qui parle des bateliers, de la Loire, tout ça. Cool. Ouais. Hâte d'entendre tout ça. Oui. Tout de suite, moi, je propose qu'on écoute du coup un autre son à vous, qui s'appelle La Fontaine du Dialogue. Un petit truc sur ce morceau? Alors, c'est des petits blabla. Alors, je me suis assise devant la fontaine du dialogue et je regardais les gens sur les tables en train de parler, blablater, ici, machin. Et voilà. Et donc, du coup, je me suis fait tout un petit film. Voilà.
Et bon, on va écouter ça alors. À tout de suite sur Radio G. À la fontaine du dialogue, je les regardais passer, tous ces gens qui parlaient dans le vent. Leurs voix se mélangeaient en un concerto de mots, sur tous les tons, par tous les temps. On y comptait l'avenir et le passé, les petits brins de vie et le beau temps. Au rythme de la machine à café, à la civette, par tous les temps. Les petits potins du jour me chatouillaient l'oreille, sifflotant la rumeur des vilains polissons. Les passants à l'affût des fraîches nouvelles venaient se joindre au cœur, et tous à l'unisson, la chanson, ils la connaissent. C'est la balade du cancan, les petits potins, les rues qui vous sifflent aux oreilles, sur tous les sons des cloches et par tous les temps. Au bord de la fontaine, squattaient des musiciens, un poète, des baladins. On échangeait les peurs, les badauds s'abreuvaient d'une musique légère, de quelques quatrains, et leur swing des rues me chatouillait à l'oreille. Ils jouaient avec la fièvre, un rythme à leur façon, les passants à la vue des prêches nouvelles venaient se joindre au cœur, et tous à l'unisson, la chanson, ils la connaissent. C'est la balade du cancan, les petits potins des rues qui vous sifflent aux oreilles, sur tous les sons des cloches et par tous les temps. Mais qu'est-ce que tu dis? Bla 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 bla. But I'm still too big to be. Do I, do I, do I, do I? Did it, 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 swim, bop, did it, swim, bop, did it, did it, oh, so swing, so far. Oh, mama, did it, 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 merci ouais. Sandy pour merci ta chronique. Merci à toi aussi. Bah, merci Mimi Rose et Vince. Merci, c'était super cool. Ouais, c'est cool. C'était sympa. C'était vraiment sympa.
Je vous dis à très bientôt, dans 15 jours. On vous fait des bisous. Bisous, bisous. Des bisous. Bisous, bisous. À bientôt sur Radio G. À bientôt. Radio G.